Façon que moi je comprends des choses parce que ma grand-mère elle m'a toujours dit que un griot est fait toujours pour chanter pour les gens et donner la joie et chanter les louanges des gens. Ce soir normalement j'ai devait avoir les choristes avec moi. C'est pas vous. Mais on est qui? Les hommes. Vous aimez chanter? Oui! Ah, ça c'est bon. Moi aussi, d'abord. Merci beaucoup. Dans mes chansons, j'aime bien parler de le monde, comment le monde est. J'aime bien aussi chanter aussi l'amour, surtout je chante beaucoup pour les femmes aussi. Quand je dis les femmes aussi, c'est côté de ma maman qui m'a mis au monde, que je peux jamais oublier. Et chanter au plus n'est pas penser à eux. Parce que voilà, je chante beaucoup pour les femmes, l'amour pour les femmes, comment c'est occuper d'une femme pour que les femmes soient bien et tout. Je chante beaucoup de ça parce que c'est nous en Afrique, je vois comment les femmes sont. Ils sont. C'est pas parce que c'est méchant, c'est. Je vois comment les femmes sont traitées là-bas. Mire la mulela ala lebi Johnsona ibe hamina mulela na ala lebi Johnsona ibe mire la mulela ala lebi Johnsona ibe hamina mulela na ala lebi Johnsona. Ni ala mana jonison ikana waso pedauna ni masa ala mison ikana ni misa ni mania le nyote de mamo angani mania bihi ni mania le nyote beka ni mania bihi ni mania le nyote ambeka ni mania bihi ni mania le nyote ala. Nous sommes les griots, voilà, on essaie de transmettre ça aussi, la musique à nos enfants, à d'autres enfants, mais pas que à nos enfants seulement, à d'autres personnes aussi qui ont envie aussi de cette culture aussi, de cette transmission.
parler de ma grand-mère qui m'a beaucoup donné aussi. Elle m'a donné beaucoup vraiment de pouvoir avancer dans la vie, dans la musique et tout. C'est ma grand-mère, franchement, elle m'a beaucoup donné. J'ai beaucoup voyagé avec elle. J'ai beaucoup massé à pied pendant longtemps. Le long trajet à pied, traverser la bouche avec elle, ça c'est une expérience que je ne puis jamais oublier avec ma grand-mère. Elle m'a transmis quelque chose. Et j'ai beaucoup adoré ça. Et après tout ça, il me revient parler aussi d'un grand monsieur qui s'appelle Victor Demey, que j'ai beaucoup voyagé avec aussi. J'ai fait tous ces voyages dans le monde entier avec ces messieurs, je ne peux jamais l'oublier. Il m'a beaucoup aussi emporté, aussi, il m'a beaucoup donné, il avait beaucoup confiance aussi à moi. Aussi, j'ai beaucoup aimé ces moments passés avec ce monsieur aussi, qui s'appelle Victor Demey, voilà, qui m'a beaucoup donné aussi beaucoup de force et beaucoup d'espoir aussi. Une chanson que j'ai créée pour l'espoir. Pourquoi? Quand je chante ça, des fois, ça me met dans l'émotion, ça me fait couler les larmes, des fois. Parce que pourquoi, Diggy, quand si tu comptes sur quelqu'un et la personne n'est plus là pour t'aider? Parce que dans le monde aujourd'hui, il faut se donner la main pour être fort. Si on nous dit ça, c'est fort. Les deux, c'est encore plus fort. Donc, j'ai composé ces chansons pour donner l'espoir à tous ceux qui perdent l'espoir. Il dit il ne faut jamais perdre l'espoir, comme il dit. Moi, j'ai déjà vécu un moment très, très, très difficile. Et j'ai chanté pour moi déjà, pour me donner la force. Et pour ma mère, déjà, tu vois qu'elle a beaucoup souffert avec moi. Et à un moment, elle n'a plus la force encore. J'ai chanté ça pour ma mère et après j'ai chanté aussi pour moi parce qu'un jour j'étais avec mes frères, on vivait tous ensemble. Un jour ils sont tous partis me laisser. C'était compliqué. Même pour manger, c'était très 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 compliqué. Donc j'ai commencé à chanter ces chansons pour me donner la force à moi-même.
quand j'ai commencé à chanter ça, et ça m'a donné la force. Je dis, il faut toujours avoir l'espoir, même si c'est dur. Tout ce qu'on fait dans la vie, il y a les moments qui sont difficiles, mais voilà. Le moment difficile, il faut toujours avoir l'espoir pour pouvoir avancer dans tout ce qu'on a envie de faire dans notre futur. Déjà, je me fais du bien à moi, déjà en chantant, et faire du bien aux autres qui m'écoutent aussi, et donner ce que je sens aux autres personnes qui m'écoutent aussi. L'émotion que je sens aux autres aussi, et moi, je donne ça aussi. En tout cas, quand je chante aussi, ça me donne beaucoup de force et ça me donne beaucoup plaisir en fait. Et c'est pas comment je vais expliquer. Quand je chante, c'est comme. Comment je vais dire? En chantant, c'est comme. C'est l'amour pour moi. Quand je chante, ouais.